Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et bien, on s'intéresse à vos placements, à votre argent avec Frédéric Durand-Bazin aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Ce matin, on va faire un point sur le rachat de trimestre. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi ça consiste ? Alors, on est dans la problématique de la retraite. C'est la première chose à dire, c'est que vous savez, dans le système français, il faut, pour avoir une retraite dite à taux plein, avoir cotisé un certain nombre de trimestres et on n'a pas le droit de partir avant un certain âge. Donc quand on est aujourd'hui à l'âge de la retraite, donc c'est la génération qui est née aux alentours de 1954, il faut avoir cotisé 164 trimestres. Aujourd'hui, et ce nombre de trimestres va être allongé au fur et à mesure que les jeunes générations vont arriver pour être portées jusqu'à 165 trimestres pour ceux qui sont nés en 53-54 et 166 trimestres pour ceux qui sont nés entre 55 et 56. Or, il n'est pas toujours aisé d'avoir cotisé ce nombre d'années. Donc ça fait 42 ans, 42 ans et demi. Qu'est-ce que la loi prévoit ? Donc ça, c'est la réforme Fillon de 2003 qui prévoit que, dans le cas d'une carrière incomplète, vous avez la possibilité de racheter un certain nombre de trimestres. Soit c'est des trimestres qui sont liés à des années d'études supérieures, soit ce sont des trimestres liés à des moments où vous n'avez pas suffisamment cotisé. Donc le but, c'est clairement d'améliorer sa retraite en rachetant des trimestres. Exactement. Parce qu'on a une carrière incomplète. Ce qu'on n'a pas indiqué, c'est que quand vous avez effectivement une carrière incomplète, vous êtes proratisé sur le montant de votre retraite. Déjà, si vous avez cotisé, par exemple, que 140 trimestres au lieu des 154, on va proratiser le montant de votre retraite à hauteur de 154e. Voilà. Et en plus, si vous partez plus tôt, on va réduire également le montant de votre retraite. Donc en fait, on est pris en ciseaux. Et du coup, quelle période peut-on racheter très concrètement ? Alors, on peut racheter toutes les périodes post-bac qui correspondent à des années d'études supérieures. Donc ça correspond à des années de fac ou de grande école que vous avez réalisées, que vous avez faites soit en France, soit en Suisse, soit dans un pays de l'Union européenne, enfin, ou de l'espace économique européen, plus exactement, soit dans un autre pays pour lequel il existe des accords entre la France et ce pays-là, du point de vue de la sécurité sociale. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez également racheter les périodes de trimestres liées à des trimestres effectués, des études effectuées dans le cadre d'un classe préparatoire, même si cette fois, à la différence des autres années, ce n'a pas été sanctionné par un diplôme. Voilà. Donc ça, c'est pour les études supérieures. On a été en classe préparatoire, on peut racheter les trimestres durant lesquels on était en classe préparatoire. Oui, même si au final, ça n'a pas abouti à une formation diplômante. Donc ça, vous pouvez racheter ces trimestres-là. Et l'autre versant du rachat concerne les années dites incomplètes, c'est-à-dire les années pendant lesquelles vous n'avez pas suffisamment cotisé pour valider 4 trimestres. Donc vous savez que il suffit de travailler, grosso modo, gagner l'équivalent d'un SMIC pendant un mois pour pouvoir valider un trimestre. Donc il faut gagner 4 SMIC dans l'année pour pouvoir valider une année complète. Si vous n'avez pas travaillé suffisamment, parce que bon, pour des raisons X ou Y, vous étiez à la recherche d'emploi non indemnisé, donc par exemple pour première recherche d'emploi, là vous pouvez racheter ces trimestres-là. Comment se passe le rachat ? C'est simple ou il y a différentes façons de faire ? Il y a des options ? Dites-nous en plus. Alors oui, il y a globalement, quel que soit le régime dans lequel vous vous situez, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le rachat de trimestre, ça concerne tout le monde. Donc ce n'est pas simplement les salariés, ça concerne également les fonctionnaires, les professions libérales, les artisans, les commerçants. Donc tout le monde peut racheter les trimestres. Et en fait, dans la plupart des régimes, il existe deux options. Il y a une troisième option pour la fonction publique, mais on ne va pas s'apesantir là-dessus. Et ces options n'ont pas forcément toujours les mêmes impacts. Alors, que je vous explique. La première option, dite option 1, dans le cadre du régime général et le régime des artisans et des commerçants notamment, tous les trimestres que vous avez rachetés sont pris en compte pour calculer le taux de votre retraite. Donc le taux, c'est ce qu'on a indiqué, ça évite la proratisation, les 154e par exemple. Par contre, c'est sans incidence sur le calcul de votre durée d'assurance. Donc ce qui veut dire que ça va atténuer les effets de la décote, ce qui vous conduira sans doute à supprimer totalement cette décote et éventuellement obtenir ce qu'on appelle la retraite à taux plein. On rappelle juste que la retraite à taux plein, c'est juste 50% du salaire moyen, c'est pas 100% du salaire moyen.
c'est 50% du salaire moyen. Il y a un petit abus de langage. Voilà, hein, taux plein, 50%. Mais par contre, ça ne va pas jouer sur la durée d'assurance. Si vous voulez jouer sur la durée d'assurance, il faut acheter ce qu'on appelle l'option 2. Donc l'option 2, cette fois, elle va jouer aussi bien sur la décote que sur la durée d'assurance. Donc ça va vous éviter, en plus de la décote, de subir un coefficient de proratisation. Voilà. Alors, bien entendu, ce n'est pas le même coût. Oui. Hein, vous imaginez bien. Quel est le coût, justement, d'un rachat? Alors, le coût du rachat, il dépend de deux critères. Le premier critère, c'est de l'âge auquel vous effectuez votre rachat. Schématiquement, plus vous êtes jeune, et moins le rachat vous coûte cher. Et le deuxième critère, c'est le montant de vos revenus. Donc, dans chaque catégorie d'âge, il existe trois tranches en fonction de vos revenus. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, si vous avez aujourd'hui 55 ans et que vous voulez racheter les trimestres, vous allez payer votre trimestre 2 980 euros si votre revenu est inférieur à 27 774 euros. S'il est entre ce montant-là et 37 000 euros, je schématise, ça va vous coûter 10% en gros de votre revenu. Et si votre salaire est supérieur à 37 000 euros, ça va vous coûter 3 973 euros. Et tout ça, je vous le donne que pour l'option 1. Mmh. Pour l'option 2, c'est encore plus cher. Ça coûte assez cher, en effet. Et du coup, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Alors, est-ce que c'est possible, oui, quand même, pour ceux qui n'ont pas les moyens, comme ça, d'un coup, de racheter leur trimestre? C'est possible de le faire à une condition, c'est que vous ayez racheté au moins deux trimestres. À partir du moment où vous rachetez ces deux trimestres-là, vous avez le droit d'étaler le montant de vos rachats. Alors, l'étalement, il dépend du nombre total de trimestres que vous rachetez. Hein. Si vous rachetez entre 2 et 8 trimestres, vous pouvez étaler vos paiements sur un an ou sur 3 ans. Donc, ça va être réparti comme ça sur 12 ou 36 mensualités. Si vous rachetez plus de 8 trimestres, cette fois, vous pourrez étaler vos paiements soit sur 1, soit sur 3, soit sur 5 ans. Et donc, ça vous fera 12, 36 ou 60 mensualités. Mmh. Qui permet quand même d'étaler sensiblement le coût de ce rachat de trimestre. Alors, on l'a compris, le rachat de trimestre, c'est bon pour doper sa retraite. Très bien. Est-ce que ça présente aussi des avantages fiscaux? Alors, ça présente un avantage fiscal indéniable. C'est que vos rachats de trimestre sont intégralement déductibles de vos revenus. Donc, ça va venir diminuer très sensiblement le montant de vos revenus imposables. Et ça, c'est même sans plafond. Ce qui est On est hors plafonnement. Ce qui est même un petit ovni fiscal dans le paysage fiscal. Ce qui veut dire qu'il faut quand même faire assez attention de ne pas racheter trop de trimestres à la fois, parce que vous pourriez venir effacer totalement le montant de vos revenus, et du coup l'impact fiscal serait d'autant réduit, parce que ça ne peut pas vous créer un déficit. Oui, d'accord. Donc, il faut faire en sorte que vous regardiez avec attention le nombre de trimestres que vous allez racheter. Donc, l'astuce, c'est d'opter systématiquement pour l'étalement des paiements. Ce qui va vous permettre de réduire le montant de vos revenus sur 3 ou 5 ans, suivant l'option que vous avez choisie. Il y a l'impact fiscal qu'il faut prendre en compte au moment où on choisit de racheter ou pas. Il y a aussi, est-ce rentable? Enfin, ai-je intérêt? Est-ce qu'il y a un calcul qui permet à tout à chacun de savoir, d'estimer le rendement ou la rentabilité d'un rachat? Mais c'est effectivement la grande question. Est-ce que racheter des trimestres est rentable? Alors, y a un petit calcul très simple à effectuer pour voir si c'est rentable pour vous. Il suffit de diviser le montant de votre rachat par votre espérance de vie qui vous reste après au moment de la retraite, globalement. Ça va vous donner un nombre d'années, un retour sur investissement. Si ça vous donne un chiffre qui est inférieur au montant de l'espérance de vie effectif, effectivement, l'opération est rentable. Si, au contraire, ça vous donne un retour sur investissement de l'ordre de 15, 20, 25 ans, donc là, c'est sans doute pas rentable. Donc ça, c'est le premier petit calcul à faire. Le deuxième calcul à faire, et ça, c'est sans doute le plus important, c'est que, ce qu'on n'a pas encore dit, que quand vous rachetez des trimestres dans le cadre du régime général, régime général, je le rappelle, c'est le régime qui est applicable à l'ensemble d'une population. Donc pour les salariés, c'est le régime général de la sécurité sociale. Ça joue également pour vos retraites complémentaires. Retraites complémentaires, on le rappelle,
suivant que vous êtes salarié, cadre, agent de maîtrise ou employé, vous cotisez à d'autres régimes que celui de la Sécu. Donc c'est les fameux régimes ARCO et AGIRC. Et pour les cadres, et notamment les cadres supérieurs, ces régimes complémentaires, ils sont plus importants finalement que le régime de base. Et jusqu'en 2018, les accords qui ont été signés au fil des ans font que, à chaque fois que vous rachetez des trimestres dans le régime général, ça, le régime complémentaire va suivre ce rachat. D'accord. Sans que ça vous coûte un centime de plus. D'accord. Donc, on arrive toujours à la même conclusion. Il est d'autant plus intéressant de racheter les trimestres que vous êtes un cadre supérieur. Vous nous dites 2018, c'est-à-dire qu'après 2018, terminé ? Après 2018, les accords vont être renégociés. Oh là là. D'où l'intérêt de le faire maintenant, peut-être, d'ailleurs. Non. Eh bien, voilà. Ah. Eh ben, ça, c'est le piège. Ah, je tombe dans le piège. Je suis le Pierre Richard. Ah, ça y est, vous êtes piégé. Oui. Et pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui compte, c'est le régime applicable au jour où vous allez prendre votre retraite. Ce n'est pas le régime applicable le jour où vous faites votre rachat. C'est pour ça que nous insistons très lourdement sur le fait que, même si ça ne vous coûte pas très cher de racheter vos trimestres jeunes, rachetez-les, au contraire, au dernier moment. Ça va vous coûter plus cher. Ça, c'est sûr, ça va vous coûter de l'ordre de une fois et demie à peut-être deux fois et demie plus cher que si vous les rachetez à 20 ans. Mmh. Sauf que vous savez exactement le nombre de trimestres que vous allez racheter. Mmh. Donc, il n'y aura pas de rachat de trimestres inutile. Et puis surtout, vous savez si ça aura un impact sur vos régimes complémentaires. Mmh. Donc, si vous savez que vous allez prendre votre retraite après 2018, surtout, là, ne faites rien. D'accord. Parce qu'on ne sait pas si ça va avoir un impact sur ces régimes complémentaires. On va prendre l'exemple de Cédric, là, qui a fêté il y a quelques jours ses 22 ans. Ouais. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il a intérêt à racheter tout de suite ses trimestres. Ben non, parce que Cédric, il ne sait pas encore s'il va falloir qu'il travaille 164 trimestres, 166 trimestres, 170, 175, en fait. 225. En fait, il ne sait pas encore aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, si ça se trouve, enfin si, je le sais, Cédric n'a pas fait d'études supérieures. Donc de toute façon, il ne peut pas les racheter ces trimestres. Voilà. Je suis bloqué. Alors, Cédric est bloqué. Si Cédric veut racheter ses trimestres, quelle procédure doit-il suivre concrètement? Il faut aller taper à quelle porte? Vous allez toquer à la porte de votre régime général. Donc on va dire pour les salariés, c'est la sécurité sociale. Vous leur faites une demande d'évaluation de vos rachats de trimestres. Donc vous allez remplir un imprimé qui est téléchargeable sur le site internet de la Sécu. Et en réponse de ça, la Sécu va vous renvoyer le papier en disant, vous pouvez racheter tant de trimestres, de 0 à 12. C'est 12 maximum dans le cadre du régime général. Ça va vous coûter tant. Voilà. Et donc, si vous acceptez cette proposition, vous faites un chèque, ou plusieurs, si vous optez pour l'étalement. Et puis, voilà, la machine est partie. Et la Sécu va transmettre votre demande de rachat également au régime complémentaire pour que ça ait également ses effets donc, dans les deux autres régimes. Donc c'est assez schématique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais la sécurité sociale ne fera d'évaluation sur le montant de votre future retraite après rachat. Donc ça, c'est soit à vous de le faire, mais j'avoue que c'est quand même un petit peu compliqué, soit vous rapprochez de cabinets, il en existe maintenant de plus en plus, de cabinets qui sont spécialisés justement dans l'optimisation de la retraite. Et ils vont vous faire des simulations pour vous dire, si vous rachetez 5 trimestres, ça va vous coûter tant, mais ça va être rentable au bout de tant d'années, ça va vous rapporter X euros de plus. Et si vous rachetez tant de trimestres, ça sera l'effet comme ci, comme ça. Donc c'est des clés très concrètes là, que vous nous apportez, Frédéric, et ça fait réagir nos téléspectateurs. On a une question d'Hubert là, sur notre site bfmbusiness.com. Il vous demande si un rachat de trimestre peut mal tourner. Exactement. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait mal tourner? Justement, parce que la législation change. Alors, c'est ce qui s'est passé lors de la dernière réforme des retraites. On est passé de 154 trimestres, 164 pardon, à 166. Conjointement, une mesure a été prise, par exemple, pour les gens qui sont chômeurs après 58 ans, donc les chômeurs de longue durée ou les chômeurs chômage des seniors. Il faut savoir que quand vous êtes au chômage après 58 ans et que votre indemnité vous permet de tenir jusqu'à l'âge de 61 ans. L'assurance chômage va vous indemniser au-delà de la durée prévue dans le cadre d'un chômage normal jusqu'à ce que vous ayez atteint le taux plein. Donc, c'est-à-dire que ça va pouvoir vous porter au chômage jusqu'à 65 ans ou un peu plus si jamais l'âge de la retraite à taux plein est repoussé. Donc, ce qui veut dire que si vous rachetez vos trimestres et que vous vous retrouvez au chômage,
ça va avancer votre âge de départ à la retraite. D'accord. Parce que votre taux plein, il va être avancé. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais vraiment, c'est des choses qu'il faut, c'est des choses ultra concrètes. Et là, vous avez arraché les trimestres, et ça va être un mauvais calcul pour vous, parce que la sécu, l'assurance chômage va vous mettre automatiquement à la retraite avant les 65 ans. Et on sait que l'assurance chômage, elle indemnise mieux que le montant de la retraite que vous avez touché. Donc là, oui, ça tourne en votre défaveur. Et du coup, si on se retrouve piégé dans cette situation, est-ce qu'on peut demander un remboursement des trimestres qu'on a rachetés ? Alors, en principe, non. Une fois que vous avez racheté les trimestres, ce n'est pas remboursable. Il existe quand même une exception. Donc ça, c'est lié à la réforme de 2010 des retraites. Et c'était pour tenir compte du fait du relèvement progressif de l'âge minimum de la retraite. Donc, certains assurés peuvent se faire rembourser s'ils ont racheté les trimestres en trop. C'est pas tout le monde. C'est uniquement les assurés qui sont nés à compter du 1er juillet 51 et qui ont effectué ce rachat avant le 13 juillet 2010. D'accord. Eux, ils ont jusqu'au 10 novembre 2013 pour demander le remboursement. Et ceux qui sont nés entre le 1er janvier 52 et le 30 décembre 55, qui ont effectué leur rachat pareil entre le 13 juillet 2010 et le 31 décembre 2011, ils doivent présenter leur demande avant le 18 décembre 2013. C'est tout. Les autres, ils ne peuvent pas demander le remboursement. Eh bien... ça laisse Cédric sans voix. Non, mais faut quand même bien faire son calcul. Il faut faire son calcul, c'est vraiment important. Ça ne se fait pas à la légère. Et c'est pour ça que je réinsiste à nouveau, ne rachetez pas vos trimestres trop tôt. Ouais. Hein. Alors juste une petite astuce. Si jamais vous vous rendez compte, bien que vous ayez acheté vos trimestres au dernier moment, que finalement c'est un mauvais calcul, optez systématiquement pour l'étalement. Parce que vous aurez toujours la possibilité de cesser vos paiements. Dès que vous cessez de payer un trimestre, ça annule en fait, ah oui, votre achat de trimestre. On a quand même une petite assurance. Donc en fait, on essaie de contourner un peu le dispositif, mais ça marche comme ça. Est-ce qu'on peut racheter des périodes passées à l'étranger ? Oui. Alors les modalités de rachat, elles sont un tout petit peu différentes que les modalités de rachat si vous avez travaillé en France. Par exemple, le nombre de trimestres rachetables n'est pas limité à 12 trimestres, c'est même plutôt indéfini. Donc vous pouvez racheter autant de trimestres que nécessaire si vous avez travaillé à l'étranger. Autre chose, vous pouvez racheter vos trimestres après 67 ans, ce qui n'est pas le cas dans le cas du régime général. Vous pouvez même racheter les trimestres si vous êtes déjà à la retraite, ce qui n'est pas le cas dans le cas du régime général. Donc ça, c'est plutôt des petits avantages. Il y a une seule chose à savoir, c'est que vous ne pouvez effectuer vos rachats que pour autant que votre dernière période d'activité à l'étranger date de moins de 10 ans. D'accord. Si ça fait plus de 10 ans que vous avez travaillé à l'étranger, vous ne pouvez plus racheter ces trimestres. En clair, c'est si on n'a pas eu la possibilité d'être bien informé pour bien préparer sa retraite en France. C'est pour ça qu'il faut écouter BFM Business et dire le particulier. Mais tout ça, c'est presque une incitation à aller travailler à l'étranger quand même, puisqu'il y a plus d'avantages à racheter ces trimestres quand on a travaillé à l'étranger. Faut voir, pourquoi pas. Et on peut même écouter BFM Business à l'étranger et lire le particulier. Ah bah oui, on vous les enverra sans problème. Avec nos photos, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Frédéric, vous restez avec nous. Et dans quelques minutes, on répondra ensemble aux questions de nos téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur votre argent sur notre site bfmbusiness.com. Et donc, on va vous répondre très concrètement, comme chaque jour. Ce sera dans 10 minutes. Cédric.